Allez, salut Lester, à la prochaine. Ah, elle est sympa, c'est Lester quand même. Eh bien, bonsoir à tous, c'est JM et on se retrouve sur GTA. Je viens d'aller parler à Lester là, souvenez-vous. Pas l'épisode d'avant, mais celui-là encore avant, quand on était avec Michael, qu'on a préparé. On a fait un peu le repérage dans la banque. Et là, du coup, voilà, je suis venu le voir vite fait. Il m'a dit, bon. Qu'il n'avait pas encore trouvé le matos qu'on pourrait utiliser. Donc, il m'a dit, voilà, prends du temps pour toi, consacre-toi à ta famille, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Donc on va aller voir, mais justement, on va rentrer chez nous. Hop, je vais mettre un petit marqueur. Famille. Famille ou planque? C'est pareil. Du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire pour commencer? Déjà pas toucher cette voiture. Oui, j'ai remarqué. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Parce que tous les épisodes d'avant, je les ai record un peu à la suite. Et c'est vrai que j'ai regardé les records justement. Et je trouvais que le volume de la musique était assez fort. Voilà, donc voilà. Je l'avais baissé, je le rebaisse encore. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'était un peu. Ouais. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, c'est vrai qu'un peu la musique un peu trop forte. Pourtant en jeu je l'entendais correctement quoi, inférieur à tous les autres sons, mais c'est vrai que sur le record ça ressort un peu plus, c'est un peu bizarre. Sinon, qu'est-ce qu'a changé sur GTA? J'ai rajouté des petits mods, enfin des petits mods, surtout des scripts, hein, je vais utiliser les bons termes, j'aurais pas envie que des pro modeurs m'insultent. Des scripts pour ajouter un petit peu plus de. Comment dire? De vie au jeu, des trucs un peu plus réalistes, voilà, pour que l'aventure soit plus complète. Voilà. Donc je vais pas vous dire ce que j'ai mis parce que bah, ça, hein, ça a pas un grand intérêt pour vous. Juste que pour moi, bah, je trouve que c'est sympa, ça rend le jeu un peu plus vivant, un peu plus réaliste, comme j'ai dit. Voilà. Après, ceux qui ont déjà joué à GTA vont voir certains trucs qui ne sont pas dans le jeu de base, donc ils sauront que c'est un script ou un mode. Mais sinon, voilà, je vais pas vous dire ce qu'il y a parce que ça n'a pas grand intérêt. Sinon, donc, je verrai, voilà, c'est juste pour rendre un petit peu plus. Parce que je vais essayer de rendre. Je vais faire la campagne solo, mais voilà, en montrant des choses que vous pourriez pas voir en jouant normalement. Pour rendre ça un petit peu plus filmographique. Enfin bref, voilà, je vais essayer de faire des trucs. Donc voilà, et sinon j'ai aussi mis un petit mode graphique, donc très léger, mais pour rehausser un peu les couleurs, parce que c'est vrai que le jeu, bah, c'est un peu comme Skyrim en fait, c'est-à-dire que le jeu est beau, mais quand on commence à toucher au graphisme, on se rend compte que le jeu est un peu fade, donc voilà, donc j'ai mis un truc qui change vraiment légèrement, qui joue sur les contrastes, sur les couleurs, pour que ça soit plus coloré, d'ailleurs là je l'ai pas activé. Faut que j'active, hop, je rentre tranquillement chez moi. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On va se garer là pour éviter de lancer le truc. Hop. Donc vous voyez là, c'est 100. Là. Bon, là c'est brumeux donc c'est pas fou. Mais là c'est 100. Et là c'est avec. Vous voyez? 100. Avec. Donc c'est très léger. Mais ça rehausse un peu les couleurs et. Enfin, voilà. C'est. Moi, c'est ce qu'il me fallait. Mais voilà, mais vous, ça va pas changer votre visionnage, y a pas de souci. J'espère au moins que ça se verra sur YouTube. Enfin oui, je pense quand même. La petite chérie à son papa. Tricks up our sleeves, huh? Same. I'm just a nightclub singer with a broken heart. I still love you, Toby. Hold yourself. You're in over your head, and you're up there. Typical joueur FPS, quoi. God damn it. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You know, go watch your linear entertainment. Go watch. Just go away. Shit. Fuck you. Ooh. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you.
You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Petite musique. Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. J'avoue que... I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Oh merde. Yeah, c'est bizarre quoi. Que la télé était éteinte. Petit bug. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Ok. On va y aller. This day was going so well until you showed up. You know that? T'es qui a pas le seum. Well, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Station change. Fuck yeah, my jam. My jam. My own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based. Don't push me. Take it. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. Ah, I detest this. Riding like a psychopath, Michael. Wait, calme-toi, calme-toi. Are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? C'est marrant, c'est la première fois que j'entends ce dialogue, quoi. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. Parce que d'habitude, bah, je conduis bien, quoi. No, not unless they're a spit. Ah, ils ont codé un dialogue spécial avec ça. Pas mal. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never cared. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Relate to my asshole, old man. Énorme! Ok. Here we are, the bike rental place. Please don't bifta, shoot quoi? The bike rental guy out of, like, force of habit. Je sais pas à qui elle est, mais... Moi, j'aime bien, en tout cas. Alors, on va faire le Bex. Ça. Hey, you. Two bikes. Take your pick. Take a pick. Yo, thanks. C'est quoi ce vélo de grand-mère? Wow, 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 wow! On va prendre le jaune. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Faire la course avec Jimmy. On va lui laisser de l'avance, hein. Oh putain, on va pas lui tirer dessus. You're gonna do something with your life. Allez, par devant. Et les mecs, ils pédalent à fond, quoi. Allez, on va le rattraper. Tu peux pas gagner, Jimmy. Tu manges trop d'hamburgers. Allez, hey, see ya! Arrête it's de me coller. The winning, James. T'inquiète pas it's que je vais pas te coller longtemps. Ils se taunent tellement dans cette famille. Enfin, c'est limite obscène, quoi. Enfin, c'est plus que du taunt parfois, quoi. Carrément des insultes, quoi. Enfin, bon. Yo, 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 poussez-vous! Bing, 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 bing! Jimmy, t'es où?
Je fais un petit détour pour que tu aies le temps de me rattraper. Ah, t'es tellement loin. T'es tellement loin. Bon, bah, pas de nouvelle télé pour toi, hein, garçon. Désolé, mais... Ouh. Et c'est la victoire. La victoire du Padre. Et boum. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Timing, good times. Il est pas en train de mourir en tout cas. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? C'est qu'il avait pas tout prévu, hein. Il avait pas tout prévu de faire du vélo ici, hein. Impressionable girl, drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait. Oh. Oh. Oh, con, c'est beau. Oula, oula. Allez, 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 allez. Oh, oh, oh. Bon, on est trop près pour qu'il y ait des requins là, enfin, j'espère. Allez, 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 allez. Là, la forme quand même, hein. Petit vélo. Bah, il le fait son triathlon, hein, quand même. Il manque plus que la course à pied, quoi. Oh, les petits jet skis. Ça sera mieux pour repartir. Hop, on prend pas les échelles, Tug Life. Voilà. I'm a dancer. Yeah. I'm a dancer. Hey, man, whoa. Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can fly. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, Daddy. Man. Oula, 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 oula. I like them. I love them. You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talking to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Oula, oula. Get on. Oh là là, par contre, Claude qui a un petit slip de main, c'est rigolo. Ouais. Allez, salut. Go. Oula, oula, oula. Ah ouais, mais il nous tire dessus. OMG, they're coming. OMG. We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebrities, drug dealers. Well, since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's... Oh my God, did you just kill him? Ah bah là, oui, il a pris une tête. Move, Papa! Stop chasing us and help Blake! Bah, il est mort, Blake. Il a pris une tête, donc Turn around or he'll cap you too. C'est quoi, lui, c'est un civil, les? Ouais. Woo! You see he's a psycho? Go away! Bon, il en veut, lui. Run, okay? My dad's gone crazy! Oh! Get wrecked, get wrecked! You killed him! Oh my God, this isn't happening! Just calm down, I did what I had to do! Let me take you back to your brother. Bon, il m'aurait pas rattrapé, mais bon. On va dire que c'est pour éviter qu'il revienne. Oh! Help!
Bonsoir. Bonsoir. Je regardais s'il y avait du poisson. Oh, je l'ai vu. Oh, ben non. Oh, la vache. Oh, la vache qu'il y a, là. You're not admitting anything. There won't be a trial unless you're on a trial for doing blow. After you ruined my day, stole my friend's shit, capped them, and I'm the one on trial? They started it. And we wouldn't be in this mess if you hadn't hung out with some creepy ass porno people and done blow. There he is, Jimmy. You. Il fait de la coupe done blow, c'est un verbe quoi. You. The fuck. Je suis vraiment tellement quoi, c'est énorme. Il m'a emmené à la beach. La beach, avec ma skin. Spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. C'est tête en mode. Moi, je voulais juste. Ah, débat. Ah non, mais. Mission réussie. Oh! Oh! Plus vif qu'un poisson. Stabilité, plein pot. Ok. Plus vif qu'un poisson, c'est qu'on a. Ouais, ok. Pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est l'or. Ouais, fuck this shit. L'option de surveillance automatique est désactivée. Oui, c'est pas grave. Ouais, vraiment, c'est. What the fuck? Tu peux arrêter de prendre des photos, y'a. Oh putain. Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Vous pouvez maintenant faire des dés ou non? Oui, on va faire. Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen. You worthless turd. Ah, y a un chronomètre. Ah, j'ai pas de véhicule. On va l'aider parce que bon, le but c'est quand même qu'on arrive à ressouder le couple. Moi déjà avec les gosses, c'est un peu mal parti. Bah voilà, bah là je le fais la course à pied. Bah c'est bon, on aura fait le triathlon. Vélo, nage, course à pied. Impeccable. Et y a pas un escalier là? Ah si là. Hop, 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 hop. Bon, on va emprunter une voiture. Hein. À moins qu'il y ait la mienne garée. Soit. Mmh. Ah oui, oui, ça se voit qu'on est. Il y a un peu que des voitures de luxe. Ah, oh, bah elle est ouverte. Bah impeccable. Hop. On va mettre ça. Voilà. Ok, bon, on est parti. On va voir ce qu'Amanda nous veut là, je suppose qu'elle a fait, on nous emmerde. 1 km 38 en 2 minutes, bon ça devrait être large. On devrait être large. Qu'est-ce que c'est ça comme voiture? J'ai même pas vu. Non, je peux pas voir comme ça. Fuck, 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 je peux pas voir comme ça. Poussez-vous, poussez-vous, oui, oui, oui. Poussez-vous. What? Oh, les couleurs de cette voiture, hein. Les meilleurs tunings. Hein. Oula, il y a eu contact là. Mais arrêtez de klaxonner, profitez du beau temps. Alors, tac tac tac. Ah, Life in Wonder. Le pauvre. Pauvre Mark Zuckerberg quoi. C'est lui exploser en direct. Hop. Oui, oui, bah où? Alors, où est-ce qu'elle est?
Qu'est-ce que c'est? You had that opportunity. I said get off me. Il l'a embarqué. I told you she's a biter. That I'm trying to do police work here. Ok, ok, ok. Montez dans la voiture. Man, the paperwork. Ah genre. You know. Hey, hey, stop right now. All right, let's go. Ah oui, d'accord. The cops are still after us. Oui, bah oui, bah c'est le principe en fait quand tu vois les moteurs de flic dans un flic en fait. I do not want to go to prison. Relax, I got this. Ne t'ira pas en prison. Go, 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 go. Don't worry. I know what I'm doing. Let's go, Michael. I'm on top. C'est bon, on les a semés. Hello. No seatbelt. On les a semés, détends-toi. They're still on us. Don't worry. I know what I'm doing. Voilà. Ah, elle est classe celle-ci. Les gyros sont à l'intérieur, sympa. They're coming, Michael. Mais non, ils viennent pas. It's under control. Bon, on pourra se rediriger vers chez nous. Oh putain. S'ils viennent pas. Oh, quel boulet. Ah, yeah, yeah, my bad. My bad. Oh, c'est quoi ça? Alors là, je ne connais pas du tout là. Chill out. It's under control. C'est la première fois que je viens dans ce parking. Ah, c'est un parking. Don't worry. Ah, je connaissais pas du tout là. Ah bah c'est pas mal après 3 ans de GTA, on découvre des lieux. Nice. Ah ouais, c'est un petit parking en travaux quoi. Du coup bah, on va couper le moteur. Voilà. Ils sont sympas ces voitures de flic. Obéissez, c'est vrai. Ah ouais, je connaissais pas du tout ça. Je suis parti, vous pouvez arrêter de me rechercher. S'il vous plaît. Faut pas qu'il rentre hein, par contre. Oh putain, ils sont en train de rentrer là. Non. Is that it? Voilà. Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Ah ouais, c'est un. Ah bah si, une voiture. Don't say it. What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Cause if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Great. Real inconspicuous. Hop, ça quitte. Ouh, ils sont tous là. I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at. Love, love, big love. Can we drive home, please? So this is what it's like to be you. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run act? Are we going home? Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oui, oui, mais... Oh, and... Yeah. Thank you. Oui, peut-être, mais... Je sais qu'elle peut pas rester dans l'allée. Elle comprend qu'on a fait des braquages il y a 10 ans ou un tuto PDF. Mission réussie. Bah, c'est pas très dur. Hein. Bon. Où c'est qu'on va foutre ça? Il y a quoi là tout près? Ouais. Hey, on va pas s'embêter. Hein. On va pas s'embêter. Fuck, il y a quelqu'un. On va pas s'embêter. On va foutre ça. Voilà. Hop. Cadeau. Oula. Buck. Ah, Lester. Qu'est-ce que tu me dis, mon petit Lester? Buckstar Extermination a des camionnettes dans son entrepôt au port de Los Santos. Elles sont gardées. Attaque de front ou rentre discrètement par derrière. Réinitier le matériel de main. Ah oui. Buckstar, oui, parce qu'on a choisi la comment dire l'approche furtive, donc on va évidemment faut voler des camions. Voilà, c'est un truc de dératiseur. Ok, donc il les a repérés. Bah écoutez, on va aller le chercher.
Je vais emprunter la voiture. Hein. Voiture de la femme ou la voiture à Tracy? Jimmy keeps trying to steal my car. You really need to get him one. Ah bon? Bah elle est à qui celle-ci? Ah c'est chiant, hein, tu peux pas passer, hein. Loser. Quoi? Bon, en tout cas, c'est un plaisir, cette famille. Wow, 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 doucement. Wow. Ah non, ah, je crois que c'était sa voiture, elle, la petite... Ah ben, my bad. Bon, on va aller chercher les trucs. Équipement Busta. On est parti. 4 km. Ah, allez. Je crois que mon chronomètre est pas encore... Pas encore affolé, on va y aller. Ah mais cette famille de fous quoi, mais c'est entre le fils qui fait rien de ses journées à part se foutre dans la merde, la fille qui est complètement perdue, qui veut faire la nouvelle star, qui là est avec des gens qui font du porno, enfin bref, bref bref quoi, et la femme en mode oui t'es un bandit, blablabla, c'est ça l'exemple que tu montres, tu passes tes tu bois tout le temps, quand tu bois pas t'es dans les nuages, blablabla. Mais elle est bien contente d'avoir eu l'argent, hein. Bien contente d'avoir la petite villa là, la vie de rêve. Donc ça se plaint mais hein, ça crache pas sur l'argent. Enfin bref, c'est vrai que je pense que ça va être compliqué de ressouder les liens. Mais bon on va essayer. De toute façon c'est un peu la merde partout, même Franklin avec sa tante là qui veut le virer de chez lui. Enfin de chez lui, c'est la maison de sa mère mais c'est à lui qu'elle revient donc. Voilà, pour l'instant il n'y a pas Trevor, je sais pas quand on va le voir mais. Bon il a moins de problèmes, enfin en tout cas de problèmes familiales après. En même temps vu comment il est barjo, je pense qu'il vaut mieux de pas avoir de problème avec lui. Même si on est de la famille, je pense qu'il y a du monde. Il y a du monde là. Passer par derrière. Ouais, bon, on va essayer. Ah ouais. Par contre, ce qui est... je vais faire un petit détour à Emination. Voir si je peux pas me procurer un silencieux. Voir si je peux pas me procurer un silencieux. Ce qui pourrait être pas mal. Parce que ouais, il me dit de rentrer par derrière, mais je pense que on peut pas juste prendre les véhicules et... Ah, c'est très chiant là. Juste pas prendre les véhicules et se barrer. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas ça. Les cargaisons de gaz et anesthésiants sont transportées à l'aéroport toutes les 2 heures. Intercepte et vole la camionnette ou fais-la sauter et récupère le gaz. Quoi? Ouais? Ouais. Je vais juste m'acheter un silencieux. Ou alors je l'intercepte. Non, on va essayer de faire ça. De toute façon, ça servira toujours par la suite. Donc, on va voir. Si il peut m'en proposer. Waouh! Bah, vache! Ah, ça, c'est du soleil. Hein. On a limite l'impression que c'est la fin du monde là. What the fuck? Hop, PK, il y avait un petit emination juste là. Hop, on va aller faire ça. J'espère surtout que je peux en mettre un sur l'arme que j'ai. Hop, on va laisser le moteur tourner. On va laisser le moteur tourner, on n'a pas le temps. Bonsoir monsieur. Oui, oui, oui. Mère bien aimable. Alors, est-ce que je peux... monsieur, bonsoir. Est-ce que... Donc ça c'est l'arme que j'ai, on est d'accord? Est-ce que... On peut... Voilà. Parfait. C'est parfait.
Ah mais pas du tout. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai. Impeccable. Bon. On est parti. Donc, ensuite, on va là. Et on va voler la camionnette. Ah oui, il y a les camionnettes et il y a les... Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on va voir la camionnette. Et après, il faudra choper les gaz aussi. Ouais, c'est différent. Ouais, voilà. Il y a un marqueur qui vient d'apparaître. Voilà, les gaz sont là. Voilà. Ils sont en train de rouler. Ils vont faire la livraison. Mais déjà, on va aller chercher la camionnette. Ce sera mieux. Donc, on va faire ça tranquille. Hop. Oula. On peut chasser, là. Les poubelles à ce temps-là, quelle heure elle est? 20h. Hop. Hop. Tac tac. Bon, c'est sur le port, donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de policiers. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est de le faire sans se faire attraper. Par derrière, il m'a dit qu'on pouvait passer. Et on va finir à pied. Qu'est-ce que c'est beau, quand même. Les couchers de soleil, hein, ça, on s'en prive pas. Hein. Ok. Bon, c'était un peu plus loin. Ah, voilà, il a ramené une camionnette. Ok, donc il y en a plusieurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ou alors je peux jouer la carte du touriste. Bonsoir, je suis perdu, je cherche la plage. Ah, je pense. Ah oui, il y en a trois même. Oh. Ah bah je gagne de l'endurance, impeccable. Bien fait de finir à pied. Oula, c'est ici. Everything I need to cause a plague of vermin. But just in case, from the top. Bedbug larvae, check. J'arrive pas à voir. Cash to bribe inspectors, check. Okay. Roaches, silverfish, red ants, check, check and check. Pourquoi je ne peux pas... Je ne peux pas avancer. Infested hand towel for planting, check. Je suis coincé. Infested sheets for planting. Check. What? Pourquoi je suis bloqué comme ça? Bugs. Check. Shut up a second. Pardon monsieur, vous gênez. Hop. La porte se ferme. Que la porte se ferme. Est-ce que... Hop, voilà, merci. Ok. Impeccable. Bugstar Pest Control. It's a bug death. Ok, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc ça, c'est bon. Oui, j'ai des je sais pourquoi je... Je sais ce qui bloquait. C'est la magie des scripts. Hein, que j'avais mis pour être accroupi. C'est vrai, quand on est en mode furtif, on est plus le dos courbé. Et là, j'en avais mis un pour être vraiment accroupi. Et du coup, bah, je pense qu'il est... Bah, il marche pas très bien, il doit rentrer en conflit avec quelque chose. Ou... Bref, donc j'enlèverai. C'est vrai que c'était un peu pénible. En fait, je pouvais pas avancer en mode... Enfin, ça me bloquait en fait quand j'étais en mode... C'est un peu bizarre. Après, c'est peut-être un problème aussi de... Ouais, ce serait pas logique. De vision nue. Enfin, de vision nue, c'est ça. Très français, ça. Je suis en first person, peut-être. Oula!
Bon, je pense que maintenant la musique est pas assez forte pour striker. Je préfère assurer le coup. Hop, donc on va ramener ça où? Chez Lester? Ah bah oui, on va ramener ça à l'entrepôt. L'entrepôt de manufacture. Ils sont jolis ces petits camions aussi là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis ça, ça envoie du pâté quand même. Hop. Voilà, c'est ici. On va garer ça là-dessous là. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Oh ben voilà. Impeccable. C'est pas fait repérer. Impeccable. Donc oui. Ah ben là il marche. Là je suis accroupi. Bref. Ouais. Hey Lester. We got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Vous voyez. Hop. Et là je suis vraiment accroupi. Comparé au début, on est juste le dos courbé. Mais alors ce qui est marrant, c'est que là ça marche parfaitement. Je peux me déplacer. Là aussi. Après, je me suis caché contre un mur. Donc, est-ce que le fait de se cacher... Ah! Eh oui. Et là, je suis bloqué. Ah! Ok. Et là, je suis plus bloqué. Ok, ouais, bon. Je l'enlèverai. Tac. Bah écoutez, on ira prendre d'assaut le camion qui transporte le gaz dans le prochain épisode. Parce que j'ai pas envie de faire un épisode trop long. Parce que je sais que c'est pas super agréable à regarder. Donc voilà. Comme ça tease un petit peu. C'est très horrible ce que je fais. Mais bon, je pense que dans le prochain épisode on aura ça et on aura surtout le braquage. Ouais. Ouais, moi je finis là et après il y a le... Ouais, non, on va faire que ça comme ça. Je vais vous retrouver pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous et à la prochaine. Allez, salut.